Hey, 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 salut tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode! Ah non, ils sont tous levés du Ugly to Beauty Legacy Challenge! Et ils sont tous levés, je sais pas ce qu'ils ont! Non, tu vas dormir! Et toi aussi, tu es levé. Mais arrêtez avec le gosse, hein! Tout le monde au dodo, allez, on est parti là! Ça commence à bien faire, hein! Ça commence bien comme épisode! Allez, Joris! Toto! Voilà, tout le monde va bien. Alors, c'est vrai que notre petite Heidi était très très enceinte. Est-ce qu'elle va accoucher bientôt? On sait plus, on sait pas. Mais, tu me laisses regarder un peu. Ouais, va. Tu m'agaces, hein. Elle est encore malade. Putain. Ah, elle a eu son petit crac-crac. Troisième trimestre dans 55 minutes. D'accord! Donc elle va pas accoucher maintenant? Mais va aux toilettes! Oh! Punaise! Me stressez pas comme ça dès le départ, non? Qu'est-ce qu'il y a eu une musique? J'ai entendu une musique. Tu peux faire à bouffer. Du coup, servir le petit déjeuner. Non, ben non, tu. Non. Ben non. Ben non, tu vas cuisiner un truc. Ouais. Voilà, hein. On va faire ça. Parce que toi, t'es végétarien, ça, j'ai pas oublié. Donc le bacon, ce serait un peu con que tu manges du bacon. Petit Joris, ça te va bien le petit. Lui, il grandit dans 3 jours. C'est ok. Et donc on aura des bébés au début de l'épisode prochain, je pense. Puisque troisième trimestre en 30 minutes. Donc à 8h du matin, on commencera l'épisode avec un nouveau bébé. Plutôt des jumeaux ou des jumelles, j'espère, devoir d'école primaire. Ok! Bah c'est bien, hein, mange. T'es fat, mais quelque chose. Hein. Tu es fat maman. Toi, est-ce que tu bosses aujourd'hui? Si je regarde pas dans le bon anglais, ça va pas le faire. Non, t'es en week-end. Ah, on est samedi, tout va bien. Harold, lui, il bosse aussi. Donc lui, il dort parce qu'il commence à 16h et finit à 1h du matin. Harold! J'y pense. Oui! Harold, il est papa! Harold, il est papa! Harold, il est papa! Et des jumeaux sont encore là! Et c'est tout le temps. En fait, effectivement, le trait alignement cosmique, vous n'êtes pas obligé d'avoir sur votre terrain, mais si vous déclarez la grossesse officielle avec les petits confettis, les merdes et tout comme ça, sur un terrain avec alignement cosmique, vous êtes sûr d'avoir des jumeaux. Et ça, c'est cool. Alors, Manon François. Et Justine François, il n'y a pas déjà une Manon? Ah bah non, c'était Hélène, et après c'est que des garçons. Ah, et ben voilà, Harold il va pouvoir partir. Il n'a pas envie. Je veux qu'Harold reste à la maison. Mais il est papa, et ça c'est cool. Et il est papa, et ça c'est cool. Ouais, tu vois. Oui, des fois je pars en vrille. Gabriel peut prendre un congé. Ouais, mais ça va. Il est pas trop emmerdé par la grossesse pour l'instant. Il le vit bien. Elle se requinque, c'est cool. Ouais, en fait... Oui, il est 8h du mat. Mais je pensais... tiens, tu vas prendre ça, toi, quand tu seras arrivée. Je pensais les envoyer un peu... En plus, elle doit faire des fêtes et tout, là. Je vais dire ugly. Non, Heidi. Elle doit organiser 3 fêtes et gagner de l'argent à 3 événements sociaux. Donc de toute façon, il va falloir qu'on fasse des événements sociaux. Ça va faire. Poser Joris ici. Mais non! Mais laisse ce gosse! Il va manger ce petit! Laisse-le tranquille. Puis attends, il est où le banc? Ah là! Elle voulait le poser là! Quel est l'intérêt? T'es con quoi? Heidi how? Heidi, elle pète le feu. Heidi, elle pète le feu. Tu vas, dans ce cas-là, faire la vaisselle. Gabriel. Qu'est-ce qu'il a? Gabriel, tu vas pisser. Ouais, parce que je voulais la faire aller aussi, bouger un peu. Pas que faire un événement social, mais je voulais la faire bouger un peu, Heidi, encore une fois. Puisqu'on le peut, et on n'est pas encore trop envahi par tous les marmots. Oh, le petit chien. Oh, le petit chien.
Et elle pourrait. Et c'est ce qu'on va faire. On va aller toute seule. Nous allons aller au spa! Baby! Enceinte comme elle est, ça fait du bien. Et là, je viens juste de l'installer avant de débuter la partie. Je suis allée en Newcrest. Et on va aller au spa. Alors, c'est le spa de Maxis, hein, de base des Sims. Et effectivement, comme j'ai pas encore utilisé les spas, ça va être une première. On va pouvoir se faire masser dans tous les sens, surtout avec son gros bidou. Ça lui fera beaucoup de bien. Ouais, coucou la compagnie. Waouh, c'est joli. Ah ouais, mais c'est tout. Ah ouais, d'accord. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va mettre un peignoir, d'accord. Ah, sa grossesse qui passe pas, hein. Nausée matinale. Ça te va pas le peignoir, hein, cocotte. Mais est-ce que... Ouais, elle peut pas, hein. C'est ça, elle peut pas parce qu'elle est enceinte, elle peut pas faire ça. Les toilettes. Ici, c'est... Ah, c'est les vestiaires hommes. D'accord. Ah, si, là, il y a quelque chose. Commander un massage des mains. Commander... Bah, tu vas faire les deux. Attends, c'est qui? Ça, c'est le garçon? Non, on va faire ça avec la fille. Nous, on est un peu bizarre. On va faire ça. Et après, un massage des pieds avec Erika aussi. On va commencer par les parties extérieures du corps. Enfin, extérieures. Les extrémités, on va dire. Mais je t'ai demandé les mains aussi. Détends-toi, Heidi. Ah, détends-toi. T'imagines tes pieds. Oh, Caleb! Caleb! Lui, il est partout, forcément. Caleb, il va se faire des bonnes choses aussi. Dis-toi que tes pauvres petits pieds, ils te portent toi plus ton bidou. Et le bidou, il fait un peu au moins le volume de la terre. Donc, ça doit tellement faire. Je sais pas, j'ai jamais fait de massage des pieds, moi. Sais pas. Je sais pas si ça fait du bien ou pas. On a gagné 16 simflouz, voilà, dis donc. Faut vraiment que tu te mettes à l'écriture, Heidi, parce que là, ça va pas. Hein. Tu vas demander un massage des mains maintenant. Oh, bah, elle a l'air ravie, elle est en colère, elle est super. Bah, écoute, fallait pas venir bosser, hein. Quand tu sais que tu travailles pour des gens. Pareil, ce massage des mains, ça doit être assez rigolo, je pense. Parce que des fois, je me passe les doigts sur la main, enfin bref, comme un petit massage. Et c'est vrai que des fois, je sens que ça se détend, c'est hyper agréable. Je le fais pas trop avec les pieds, non. Mais je suis sûre que ça doit faire vraiment du bien aux mains et aux pieds, ce genre de truc. Ouais, j'aimerais bien savoir ce que ça fait un jour. Comment elle la regarde et tout. On est zen, il manque un peu de musique, non? Un petit peu de musique zen. Oula! Par contre, il y a un petit problème là. Un petit problème. On dirait qu'elle est en train de la manipuler comme une marionnette, mais. Vous êtes Keblo? C'est dingue. Et après, elle pourra se faire peut-être masser le dos. Oh! Une piscine! Ah! Caleb, il se fait un bain! Ah, t'as vu le zizi de Caleb? Oh! Et alors, t'as l'air d'aimer ça, hein? Non, pas, ou pas d'ailleurs. Non, t'as pas l'air trop d'aimer ça. C'est que sympa. Là, c'est quoi? Non, c'est juste. Là, c'est ça que je veux. Engager à ma soeur. Voilà. Bon, il est sympa le spa, mais il est vide surtout, j'ai l'impression. Un Sims de service embauché par Heidi est englouti. Bah. Oui, mais je pensais qu'on allait prendre un de ceux-là, non? Recevoir un massage. Tsang. Putain, mais les noms qu'ils ont, par contre. Et c'est qui le masseur pour Heidi, là? Excusez-moi, mais j'ai du mal à... Hein? J'ai du mal à piger ce qui se passe. À vos toilettes. Bah, oui. Bon, après, tu te fais masser, hein, cocotte? On va pas attendre la cinglingue là. Hein. Tu vas lui demander un massage directement au mec là, et puis c'est très bien. Hein.
Attends, c'est quoi ça? Ah! Eh ben voilà, tu vas commander un massage à lui, recevoir un massage. Alors, on a le choix. Massage aux pierres chaudes, massage d'amérométhame, ylang-ylang, aromathérapie à la fleur de lotus, à la lavande, à la menthe et au romarin, massage de fertilité. What? Allez, vous savez quoi? On va faire ça. Le massage de fertilité. Ah non, mais il est censé déjà avoir des jumeaux. Ça va peut-être lui en nous en foutre beaucoup plus, hein. Ça serait rigolo. Non, franchement, je veux voir. Je veux voir ça. On dégage, Caleb, hein, c'est notre ma soeur. Voilà. Par contre, j'adore vraiment les plantes et les séparations avec les bougies. C'est super beau. Allez, un petit massage de fertilité. Faites-moi voir ce que vous savez faire, monsieur. Qui sait, on va peut-être se retrouver avec 5 gosses, hein. Je me demandais c'était quoi, mais c'était les bougies. Oh là là. Puis ça lui fait un truc et tout. Une aura. Elle est bien, là. Massage de l'âme. Massage des pieds. Heidi n'avait pas eu les pieds aussi légers depuis longtemps. Massage magnifique. Paume, doigts et articulations sont en fête. Et là, elle, bon voilà, elle va se coucher. Bon, bah, ça va nickel, hein. Profitons-en, profitez-en, ma petite Heidi. Ouais, allez. Je vois pas en quoi c'est un truc de spécial fertilité, mais ouais. Il est 13h, je vais lui refaire faire un tout petit massage aux pierres chaudes. Un massage suédois. Réagir au massage. Qu'est-ce que tu vas réagir au massage? Tu vois des papillons, ça y est, tu te dis. Fertilité stimulée! Ah! Votre sang bout de vitalité et d'énergie procréatrice. Ouf. Ouh, je sens qu'il y en a qui vont les faire crac-crac. Dans combien de temps? 12 heures, ça va, il y a largement le temps d'aller faire crac-crac. Pouf! Alors, il aurait fallu faire un trou dans le matelas aussi pour son. Pour son ventre, parce que là. Ouais, on va passer en mode rapide. Aujourd'hui, c'est détente. Détente au spa. C'est exactement le titre du kit, n'est-ce pas? Par contre, détente au spa, je sais plus. Je ne sais plus qui me l'a offert. Je sais plus. Donc, je sais plus, donc, mais merci quand même. Oui, il y a des gens très adorables qui, des fois, m'offrent des kits et, alors que je leur ai rien demandé. Et moi, je lance mon Origin et puis je vois ça et puis je fais. Mais qu'est-ce que vous avez foutu? Donc, voilà. Ok! Le travail d'Harold commence dans 1 heure. Ah oui, il est 15h. Bon, ben, vous savez quoi? On va se barrer de là. Et regardez ce qu'on a sur le côté. On va aller au resto! Et ceci est ma création. Il y a le speed build qui est dispo sur la chaîne. C'est une des rares créations que j'ai pu faire, effectivement. Surtout que, comment dire, le pack restaurant, je l'ai eu aussi offert et j'ai jamais vraiment utilisé. J'ai fait un restaurant, c'est le seul genre à part un parc, c'est le seul, comment dire, je vais y arriver. C'est le seul terrain communautaire, voilà, que j'ai créé à part les parcs. Et je me suis éclatée et j'adore quoi. Il est trop beau là avec toute la faune et tout, c'est magnifique. Donc en fait, on va y aller au restaurant avec notre mari. Ben ouais, hein, faut pas. On va pas être égoïste, hein, nous comme ça. Hein. Réagir au massage. Ah, finaise. Non, on vient pas, Frida. Bon là, elle va discuter avec Igor, je crois. Un petit peu. Il va répandre des trucs juteux sûrement sur les petites que Harold vient d'avoir. Ce qui, moi, ça me frustre vachement parce que tous les frères et sœurs, ils ont eu des jumeaux et nous, pas. Vraiment, c'est le truc relou à souhait, quoi. Voilà. Ragot juteux sur Manon. Mais what? C'est un bébé! Qu'est-ce que tu veux raconter? Allez, fais des bisous à ton amoureux. Et moi aussi! Ça, c'est mon resto! Ça, c'est mon resto! Ah! Alors, bien sûr, il est pack de la jungle à mort.
On va pas se leurrer, hein. J'aime tellement la décoration de ce pack dans la jungle que j'ai pas. Voilà, il a fallu que je fasse absolument un petit resto. Comme ça, vous allez pouvoir même le visiter. Bon, je vais laisser. Ils vont aller. Ah, les cuistots arrivent. Donc, l'entrée. Je me suis éclatée avec les fougères, hein. J'en ai foutu un peu partout. Ouh, il est colère, le cuisinier. Ensuite, on rentre dans ce petit vestibule qui dessert le bar. Nous avons un barman qui s'exerce. Bon, la déco, c'est vrai que je ne l'ai pas trop poussée dans cette partie-là, c'est dommage. La partie que je préfère, de toute façon, c'est la salle de restaurant. Regardez-moi ça. Bonjour, madame. C'est de la fougère partout. Alors, bien sûr, c'est un peu rustique et tout ça, mais c'est normal, c'est le pack de la jungle qui est à l'honneur dans ce resto. Et moi, j'adore. Il y a de la fougère partout. C'est magnifique. Ah mais non, il y a déjà des gens aux tables d'amoureux. Qu'est-ce que vous foutez là, vous? Nous, on voulait la table dans le fond, là-bas. La table dans le fond, c'est pour les amoureux. Salut, Gabriel. Nous, on veut cette table-là. Mais elle est déjà prise. Parce que vous voyez, quand vous êtes là, vous êtes un peu à l'écart du reste. C'est un peu la table des amoureux, quoi. Les rancards, tout ça. Voilà, ils vont s'asseoir et ils vont prendre un petit repas, un petit rencard en amoureux. Par contre, c'est moi où la table, elle a l'air immense comparée aux Sims. Et après, bien sûr, on a à l'étage, je pense qu'elle a parti pisser encore une fois. Y a des chances. Là, c'est la cuisine. Pareil, la cuisine, j'ai pas fait grand-chose pour... Pour la déco, c'est assez simple. Et puis peut-être. Non, on ira peut-être après. Ah bah, si, ça c'est. Voilà, ça c'est l'étage. Avec, j'adore, c'est cette terrasse. Elle est trop belle. Ça, c'est pas du tout dans le kit jungle, mais j'aime beaucoup. Voilà, bon, hein, assez parlé de de mon expérience. Commander pour la table. Allez, on va manger un peu parce que là, on a la dalle. Surtout Heidi. Oh non! Eh ben, on va prendre ça pour les deux. En entrée. Non, on va pas prendre d'entrée. On va directement manger. Choix du chef, c'est Chupino. Pasta primavera. Ah ouais, mais lui, il est végé, hein. Spaghetti. Approprié pour les végétariens, ce sera pour lui. Et elle. Saumon en croûte. Allez. Je pense qu'on est bien là. Boisson et plat, on va pas non plus tergiverser 3 heures. Bon après elle est enceinte, elle va prendre de l'alcool, mais on dira pas. Ah tiens, c'est le. Quoi, elle s'endort? Mais what, Heidi, punaise! Après vous pouvez discuter aussi, hein. Vous êtes mariés, vous êtes amoureux, tout ça. Demandez la date. Alors, vous avez choisi? Oui, on va prendre. Voilà. Merci, nous allons voir votre commande. Est-ce qu'elle sera prête? Cool. Amical, complimentez la tenue. Oh, tu es beau, mon mari, tu es bien habillé. Transfuck. Merde, mais je l'ai déjà fait. Oh, c'est pas vrai. Donnez. Que... Oh, discuter sans intérêt, hein. Non, on va pas festival de l'amour. Alors, les enfants. Elle est contente, elle aime bien. Dîner romantique réussi. Mais elle dort encore! C'est sûr qu'elle est paresseuse en même temps. Hein. Elle commence à avoir la dalle. Hein. S'il vous plaît, on pourra avoir notre plat? Sortir le gâteau. Cheesecake Sim City, pièce montée. Pièce montée? Gâteau au chocolat, gâteau confitis bleu, gâteau aux fraises. Ok, je ne savais pas. Et c'est d'autres champs? Et nous, on n'a pas notre table. Bah si, elle est libre maintenant. Donc non, tu dois parler à ta femme. Tu vas raconter une... Tu fais une grimace, tiens, on s'en fiche, on est... On entre nous.
complimenter l'apparence. Et d'ailleurs, le petit Joris, là, il devrait être en garderie, hein, parce que si on a Harold qui est parti au boulot. Qu'est-ce qu'il a, Harold? Ah, il a envie de pisser. Mais t'es con, Harold, pour que je ne sais pas prendre soin de toi. Tu vas discuter avec les collègues. Est-ce que ça te fait augmenter? Ah, oh, oui, il va avoir une promotion. Il est assistant à la vaisselle, il est que en premier truc. Mais sérieux! Elle arrête pas de s'endormir. Mais c'est quoi ce dîner catastrophe? Ah, Heidi, arrête! Ah, la bouffe! Ah, voici votre commande, bonne dégustation. Cool! J'avoue que j'avais jamais été au resto encore, donc vraiment... Voilà, ça va la requinquer parce qu'elle, elle a faim. Alors, le petit mousseux, là, le cranerlé, voilà. Ah, Frida, salut! Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là, ma Frida? Oh, on a vu tes enfants la dernière fois. Ils étaient trop beaux. Demande, ils vivent ensemble. Non. C'est sympa de les recroiser comme ça, n'empêche. Tu vas être alcoolisé. Ah, il dit, hein, fais gaffe. Hein. Toi, t'as dit bonjour ou pas? Complimenter la tenue. Oh, mais tu es très belle, Frida. C'est ton pyjama ou non, je crois que c'est sa tenue de sport. Non, c'est pas sa tenue de sport. Si, c'est sa tenue de sport. Ah, ils ont déjà tout mangé. Va aux toilettes, mon petit. Ah ouais, elle est crevée. Oh, il est là! Samuel! Ah, il est trop beau, ce gamin. En tout cas, pour l'instant. Ils sont venus aussi dîner au resto. Tranquille. Tiens, tu t'es pas présenté Tu t'es présenté, va aux toilettes. Et elle s'est rendormie. Mais la blague. Allez, on s'en va. Terminer le repas et payer l'addition. Nous, on y va. On va rentrer, il est 20h. Il va être temps de refaire crac-crac. Ah, oh punaise. Réveil difficile. Ne jamais réveiller un sim paresseux. Jamais. Oh la vache, tout ce qu'il y a. Massage relaxant. Flatté. Fertilité stimulée. On va faire des petits bébés. Elle va avoir qu'un rang de gosse. Le truc affreux, quoi. Vas-y, tu peux payer. Lui, il va aux toilettes. T'as payé? Ah oui, t'as payé. Ah, après, il n'y a qu'un seul toilette. Tu peux... Est-ce que tu peux venir 5 minutes sur... ici. Tu vas acheter une pièce dans la fontaine, un peu qu'on profite... Ah bah oui, c'est vrai que j'avais vu le mari de... De Frida qui est là, donc ils sont venus presque en famille. Il manque le deuxième. On a Samuel, mais je crois que c'est Romain l'autre. Regardez, c'est trop cool. Moi, j'aimerais trop avoir une terrasse comme ça. Hein. Non mais, je suis trop fière, moi. C'est mon premier resto. Alors peut-être que je ferai mieux à l'avenir. Hein, moi, je ne sais pas. Hein. Voilà. Elle a fait un vœu et tout. Est-ce que tu peux aller aux toilettes, sachant qu'il n'y en a qu'un dans la... J'ai un peu abusé, j'ai fait qu'un seul toilette. Donc si c'est déjà pris, on va pas pouvoir aller loin. Eh mais c'est Igor! Mais c'est pas possible, il y a tous les ugly qui sont là. Amical. Discuter de la paix dans le monde, allez. Salut Igor! Salut beau gosse! Puis on va rentrer, hein, parce que là en plus elle est claquée. Total tanin. Son amertume s'attarde sur le bout de la langue. D'accord. Bon, après on y va. Tiens, on la voit à travers les escaliers, ça j'avais jamais vu. On va aller à la maison avec Gabriel Vron. On rentre. Plus vite que ça. Bon voilà, c'était la petite le petit tour dans mon resto. Indiana Jungle Restaurant, je crois que c'est le nom. Et nous voilà rentrés à la maison. Joris est rentré de la garderie. Ouais!
Cerise, il est là, il fait des câlins à ses poupées et ça va, il a besoin de divertissement, il n'est pas en trop mauvais état. Je le ferai bien aller sur le pot. Papa, tu peux lui apprendre à aller sur le pot, comme ça on sera tranquille. Heidi, allez, ah, est-ce que tu peux te faire une petite sieste bien comme il faut? Pour l'instant, on lui fait faire une sieste hein, et après, ils vont faire crac-crac dans bon, 4 heures. Ils vont faire un petit crac-crac, histoire de peut-être augmenter les chances de fertilité grâce au massage. Je sais pas si ça fonctionne en fonction de ça. Hein, quoi? C'est le gosse! Bambin désobéissant. Non mais tu lui fous une claque et puis c'est bon, hein, on s'est réglé le problème après. Cependant que Joris, il va aller faire, elle va apprendre à aller au pot. Maman, elle se requinque et quand maman, elle s'est requinquée. Ça va craquer. Ça, c'est. Il en peut plus. Ah ouais. Non, mais c'est vrai que c'était sympa. Qu'est-ce qu'il fait? Crac, crac, crac dans le bain remous. Ah, regardez les étoiles avec Heidi et faire crac, crac avec Heidi. Oui, bah oui. Bah oui. On va faire crac, crac dans le bain remous, hein. On va pas se. Hein? On va pas s'arrêter là. Eh ben, il peut pas. Ah ben, ah non, elle est enceinte. Elle peut pas. Bah oui. Franchement, c'est limité, hein. Être enceinte, tu fais pas grand-chose. Bon, Joris, c'est quand tu veux pour refaire ton petit pipi. Il se sent sur les bambins. Je m'en fous. Qu'est-ce qu'il a? Hein, il a besoin de se divertir. Ouh. Ah, bah, tu sais, tu vas sur ta tablette, tu vas jouer à Simform, tu vas regarder des vidéos pour bambins, et tu vas le dessiner avec la lama. Voilà, hein? Tu ne casses pas les pieds, papa! Papa, tu vas aller réveiller ta femme mou. Ah non, mais elle va être. C'est vrai qu'il faut pas la réveiller parce qu'elle dort. Moi, c'est moi qui la réveille. T'es encore dans de fertilité? C'est parfait. Parce que vous allez vous faire encore des petits bébés. Oh, vous en avez déjà, hein, mais. Je vais faire crac-crac. Bon, après, je pense qu'il faut vraiment faire un bébé. Mais bon. C'est pas grave. Tant que le moodlet est là, je me dis que ça peut avoir une incidence. Peut-être qu'au lieu de deux, on en aura trois ou quatre. Je ne sais pas. Ah. Et avant que j'oublie. Elle a plus de fraises. Et lui non plus. Et toi, t'en as pas non plus forcément, puisque t'es même pas là. Qu'est-ce qu'on peut faire de toi? Toi, t'as une excellente. C'est bien. Tu vas travailler dur. Ça, on est sûr que tu as une promotion. Ah non, elle a pu. Ah bah ça se passe bien, dis donc, hein. Voilà. Ouh là là, il y a plein de cœurs. Bon bah tout s'est bien passé et moi je vous laisse là-dessus puisqu'il est à peine minuit mais bien sûr on va avoir droit à une naissance dans le prochain épisode pour 8h du matin. Je vous embrasse très fort. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez donc pas à laisser un message, à vous abonner et compagnie. Et je vous dis donc à très très vite pour la suite du Ugly to Beauty Legacy Challenge. Allez, salut!